les autorités japonaises organisent une arrestation très médiatisée. Au milieu des flashs et des journalistes, la police est venue pour arrêter cet homme aux allures d'adolescent. Derrière cette casquette, essaye tant bien que mal de se cacher le français Marc Carpelès. Sur son t-shirt est inscrit « Français sans effort » comme une provocation. Il est celui que l'on surnommait jusqu'ici le baron du Bitcoin, une crypto-monnaie virtuelle qui a fait sa fortune. Il était vraiment excité par l'argent que l'on pouvait générer sur ce marché d'échange, car les sommes échangées étaient spectaculaires. Mais connu dans son pays natal, Marc Carpelès est une grande figure de l'économie numérique au Japon. Parfois comparé au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il a créé en 2011 Mt. Gox, une plateforme d'échange de Bitcoin où transitaient jusqu'à 5 à 8 millions de dollars par jour. Mais en février 2014, son empire explose en plein vol. La plateforme s'effondre brusquement et 800 000 bitcoins disparaissent, l'équivalent de 500 millions de dollars. Marc Carpelès est alors suspecté d'avoir piloté l'escroquerie. J'ai fait tout le chemin depuis Londres. Depuis Londres. C'est la plus grosse affaire de cybercriminalité qui concerne le Bitcoin. Intelligent comme il aurait eu cette somme-là. Mais il ne serait pas resté au Japon. C'est la première chose quand on a commis un vol. Vraiment, quand ? Marc Carpelès avait déjà été condamné en France pour piratage. Pourtant, ce jeune homme énigmatique est bien loin du stéréotype du hacker un peu dark. C'est un informaticien surdoué, souvent touchant mais introverti, la plupart du temps perdu dans son monde intérieur. Ses uniques passions, le Japon, les mangas et les jeux vidéo. Il est aussi doué en informatique qu'il n'est pas doué dans les relations sociales. C'est un geek, c'est un nerd à 100%. Mais c'est un côté qu'il assume complètement aussi. Qu'il avait toujours un portable à la main. Il partait à notre restaurant d'entreprise, il avait son portable à la main. Je l'ai vu chez McDo avec ses amis, il avait son portable. Il était en prise directe, en permanence, immergé dans ce monde-là. Il était dans un autre monde. De Paris à Tokyo, nous avons rencontré de nombreux témoins qui ont croisé le baron du Bitcoin au fil de sa vie. Sa mère, Anne Carpelès. Son meilleur ami rencontré au Japon et un de ses premiers patrons qu'il a vu débuter. Mais aussi l'ancien responsable de la communication de Mt. Gox qui témoigne ici pour la première fois. Entre virtuel et réalité, de la France au Japon, plongé dans l'univers numérique de Marc Carpelès, le petit geek de Dijon, devenu le roi de l'empire Bitcoin. Très loin des tours de Tokyo, Marc Robert Carpelès est né un jour de grande chaleur en juin 1985 à Chenôve, sur les terres bourguignonnes. Sa mère, une institutrice à la vie modeste, l'élève seule. Anne Carpelès, une maman avec son univers bien à elle. J'ai pas l'impression d'être geek. Je passe 5 à 6 heures sur des MMO par jour. Mais ouais, je fais des raids, je commence même à être très bonne en raid. Hier, je suis arrivée à sertir tout mon équipement d'archer. Yes ! Anne Carpelès est dingue d'informatique et de programmation. Et avec elle, son fils ne joue ni aux billes, ni aux cartes, mais code dès ses 4 ans des petits jeux vidéo. Dans la semaine, le samedi matin, c'était le moment pour mon fils. Tous les samedis matins, alors ça qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même en cas de guerre mondiale, le samedi matin j'étais avec mon fils. Donc on lisait, je lui créais des programmes sur ordinateur pour jouer. J'avais un Sinclair. L'avantage du Sinclair, c'est qu'on pouvait faire de la programmation. Le Sinclair est un ordinateur rudimentaire qui fascine le petit Marc.
des heures et des heures, il se plonge dans les méandres du code binaire de la machine. Je me souviens, alors qu'il était encore en maternelle, on avait créé des dinosaures en pixels. On avait fait des pixels, puis c'était des petits dinosaures. Et après ça, je codais tout en binaire sous le Sinclair, puis on voyait les petits dinosaures sur l'écran. Il était passionné par ça dès le départ. Marc Carpelès préfère le clavier au jeu de construction et le monde virtuel à celui des petites voitures. Un petit garçon éveillé et surtout très précis et minutieux. C'était un enfant curieux, enjoué, joyeux, avec des moments où il se mettait à travailler, mais quand il était travaillé, il était hyper concentré. Il apprend vite, bien plus vite que les enfants de son âge. Avant de rentrer à l'école, il sait déjà parfaitement lire et compter. La première année d'école primaire, la maîtresse d'école avait des idées très arrêtées sur ce que devait savoir un enfant à tel moment de l'année. Et malheureusement, mon fils était largement au-delà. La même année, Anne fait tester le quotient intellectuel de son fils. Le résultat est bien plus élevé que la moyenne. Avec 190 de QI, le petit garçon est officiellement surdoué. Julien Laglace rencontrera Marc Carpelès au Japon 20 ans plus tard. Devenu un ami proche, il témoigne de sa spectaculaire capacité d'apprentissage. Il fait des choses à 200% de façon naturelle. Si quelque chose lui plaît, bah, il va voir quelque chose, ou il va lire quelque chose et il va l'incorporer directement. Pour faire une analogie avec Matrix, c'est un peu quand Neo est branché au début de film et qu'il apprend à faire du kung-fu et à piloter un hélicoptère, bah, Marc c'est un peu pareil, il voit un truc et il va s'assimiler. On savait qu'il était surdoué. En fait, il avait un âge d'intellectuel de 12 ans sur un âge physique de 7 ans. Mais cette intelligence surdéveloppée, inadaptée à l'enseignement classique, place Marc en marge du système scolaire. En 1992, Anne profite d'un nouveau travail pour déménager et trouver une école spécialisée. Fini la campagne, direction Paris. À 7 ans, le jeune garçon découvre avec ses yeux d'enfant la capitale. Sa mère a trouvé un petit deux pièces ici dans le 15e arrondissement. Plus bas, il fait ses premiers pas de Parisien dans cette école adaptée à son cerveau de petit génie. À 12 ans, il veut déjà devenir roboticien. Difficile d'entrevoir chez ce petit garçon à la vie tranquille qu'il puisse être suspecté, 20 ans plus tard, d'être un des plus grands criminels financiers du Japon. C'est au milieu des années 90, avec sa mère, que va se sceller son avenir. Quand on était à Paris, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un Macintosh. Et nous avons assisté à l'apparition de ce qu'on appelle l'hypertexte. L'hypertexte, c'est quand on clique sur un lien. Voilà. L'idée qu'on puisse renvoyer d'un truc à un autre, puis d'un autre machin, et puis qu'on pouvait rappeler des données d'un endroit, puis après ça, les intégrer dans autre chose, et ça l'a absolument fasciné. Devant les possibilités informatiques démultipliées qu'offre Internet, le jeune adolescent est troublé. Il développe une obsession quasi clinique pour son ordinateur. David Perron est un des rares sociologues à avoir décrypté les usages de la culture geek. Une culture où l'informatique joue un rôle important. Ce qui se dégage des gens que j'ai rencontrés, c'est une espèce de volonté de maîtrise. Alors on peut dire maîtrise, peut-être qu'ils n'ont pas dans la vie réelle et qu'ils veulent essayer de récupérer ailleurs. On peut parler d'évasion, quelque chose comme ça, mais c'est aussi simplement un plaisir de la maîtrise, de choses qui sont plus facilement maîtrisables que la complexité du monde dans lequel on vit. Le monde de l'informatique, c'est extrêmement complexe, ça demande beaucoup de travail, mais le code, une fois qu'on le maîtrise bien, on commence à voir les rouages, on commence à voir comment ça marche à l'intérieur. Et donc il y a une espèce de plaisir de découvrir les coulisses, de voir ce qu'il y a derrière, et de se dire peut-être qu'on pourrait faire la même chose. Donc il y a l'idée ultime, ce serait d'avoir un cerveau pur, une espèce de conscience, intelligence artificielle, peut-être de se projeter dans un ordinateur. Et donc ce fantasme-là est très présent. Dans les années 90, informatique et jeux vidéo vont souvent de pair avec les comics, le cinéma de genre et les séries télé. Mais aussi et surtout avec les mangas. Grâce aux BD japonaises, c'est tout un imaginaire coloré et kitsch qui s'ouvre au jeune Marc Carpelès.
On est dans le 15e arrondissement, donc on était à quoi, un quart d'heure, 20 minutes de la Maison de la Culture du Japon. On y allait pratiquement tous les week-ends. Ouais, il avait de l'intérêt pour le Japon déjà quand il était ado, à mon avis. Je sais qu'il regardait, il regarde encore beaucoup d'animés. C'est un peu la génération Club Dorothée qui a bercé énormément d'adolescents. Le Japon, un pays fantastique et fantasmé, de plus en plus idéalisé par l'adolescent. Le Japon, probablement plus que les États-Unis, par le fait que c'est un pays non occidental, donc il nous ressemble peut-être un petit peu moins dans la représentation, c'est un espèce de fantasme de l'ailleurs, quoi, vraiment, où on pourrait assumer justement tous les fantasmes de ce pays du futur, quoi, qui est un petit peu le Japon tel qu'il est imaginé. Mais dans les années 90, être geek n'est pas simple. Dans les films et les séries télé de l'époque, il est souvent dépeint comme un adolescent pâle et ringard, qu'on affuble de toutes sortes de surnoms. Nerd, no life, geek, il y a même d'autres mots en anglais qu'on n'utilise pas trop chez nous, c'est dork, des choses comme ça, qui désignent en gros des losers, hein. C'est globalement des gens un peu à part, un peu différents, et souvent liés à l'idée qu'ils sont asociaux, étranges et justement trop focalisés. Le geek classique tel qu'on l'imagine, c'est un garçon pas très grand, très maigre, pâle, avec des grosses lunettes, hein. C'est un symbole de l'intellectualité, de la maîtrise justement, qui passe trop de temps à faire des activités intellectuelles. Alors forcément, Marc n'est pas l'adolescent le plus populaire de son collège. À 15 ans, il s'isole de plus en plus, préférant la compagnie de ses personnages de manga. Il n'arrivait pas à trouver un copain qui soit comme lui, qui pourrait discuter à la fois de cuisine, d'informatique, de physique quantique, des mangas, etc. Mal dans sa peau, hyper intelligent mais très naïf, Marc a tout de l'adolescent souffre-douleur. En 2001, il vient d'entrer au lycée quand quelques mois plus tard, il est victime d'un violent racket. Il ne sait pas dire non, et puis comme il est sympa, comme il est gentil, puis qu'il est brillant, ben, il attire des gens bien, puis des gens moins bien. C'était une bande organisée qui utilisait comme ça des jeunes, à qui il faisait voler les cartes de crédit des parents sous la menace, et il s'en servait pour acheter des téléphones portables, mais pas 5-6, hein, 200, 300, hein, qui revendaient à bas prix. Ah, mon compte bancaire a été ratiboisé, celui de ma mère a été ratiboisé aussi. Pour Marc, les années lycée sont progressivement invivables. Il aurait pu faire de brillantes études, mais une fois son bac obtenu, il arrête tout en 2003. Persuadé qu'il peut se prendre en main seul. Il trouve un studio à quelques rues de sa mère, puis il décroche, à seulement 18 ans, un premier boulot. Il occupe une place de développeur. Il n'a pas une place très élevée. C'est pas non plus une entreprise qui embauche énormément de personnes. C'est plutôt une petite structure. Il a voulu me soulager, puis qu'il a senti que là, c'était quand même assez dur. D'autant que ma mère était très remontée parce qu'elle avait perdu tout l'argent qu'elle avait. On n'a jamais été remboursé, hein, de cet argent. Hein. Dans cette petite société qui crée des jeux vidéo, Marc est plus qu'à l'aise, aidé de ses super pouvoirs informatiques. Mais rapidement, le surdoué s'ennuie. Il prend des libertés avec le site de son patron et crée de lui-même un programme de sécurité. Marc, lui, il avait repris tout ça, tout le site, et il avait fait un petit programme assez simple qui permettait justement de dépister les bugs. Donc, qui était applicable à n'importe quel forum. Gilles Ridel sera quelques années plus tard, en 2007, le deuxième patron de Marc Carpelès. Il connaît bien les difficultés que le jeune geek a pu rencontrer dans son premier boulot. Marc, c'est un profil atypique. Il s'est construit son propre monde. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler avec lui, hein, de collaborer, puisqu'il a une vision, une façon de faire, sa propre intelligence et son style. Et faire partager son coding avec d'autres, il aura fallu qu'il trouve un disciple qui soit donc à son niveau. C'est pas évident. Hein. Donc c'est vrai qu'en grande partie, Marc développe seul ce qu'il développe. Ces gens-là, pour une entreprise, c'est à double tranchant. Soit effectivement, ils vont dans le sens de l'entreprise, entre guillemets, vous dites, il est donc cadré et ça amène un plus pour l'entreprise. Soit il est mal managé ou pas managé et ça peut vite partir donc à volo.
Habitué à programmer dans son coin depuis sa petite enfance, Marc prend de plus en plus d'initiatives personnelles. En 2005, il va jusqu'à mettre en place des systèmes qui détournent des données confidentielles de l'entreprise. Son employeur découvre deux choses. Il découvre déjà qu'il y a des données clients qui sont exfiltrées vers un serveur qui appartient à Carpeless, à Marc Carpeless. Donc ça veut dire qu'en gros, il prend des informations qui ne sont pas à lui, qui appartiennent à l'entreprise et qu'il les met chez lui, pour dire simplement. Et deuxième chose, son employeur découvre qu'un nom de domaine, donc une adresse internet qui appartient à l'entreprise, renvoie vers un site qui appartient à Carpeless. Donc là, le directeur soupçonne une arnaque, tout simplement. À cette époque, un blog fait son apparition sur le net, écrit par un mystérieux Magical Tux, en français, le pingouin magique. Un nom qui fait directement référence à la mascotte de Linux. Un système d'exploitation libre et culte chez les informaticiens. Derrière cet avatar se cache Marc Carpeless, qui se livre quotidiennement sur son blog. Rapidement, il y fait état de ses très mauvaises relations avec son patron. Il dira à propos de ses ennuis avec son employeur que c'est aussi lié à son état dépressif du moment. Je crois que c'est un moment où il se rend très peu sur son lieu de travail parce qu'il dit qu'il est déprimé, qu'il ne peut plus y aller tous les jours. Marc finit par démissionner en 2005. Sa première expérience du travail est un échec. Pire, son patron porte plainte contre lui pour piratage. À tout juste 20 ans, sans emploi, il se réfugie derrière son écran. Si Marc n'est pas très sociable dans la vraie vie, Magical Tux, lui, est de plus en plus populaire chez toute une communauté nerd. En 2005, il y a déjà pas mal de blogs, mais lui acquiert une certaine audience parce qu'il écrit beaucoup, parce qu'il s'adresse à une communauté qui est assez identifiée et à laquelle lui s'identifie. Et donc il acquiert comme ça un public. Nuit et jour, Magical Tux donne des conseils de code, de sécurité informatique, mais aussi des petites astuces de piratage. À force de traîner sur les forums, en 2007, il se fait repérer par une équipe de tournage qui prépare un documentaire sur l'univers geek. Dans le film Suck My Geek, on découvre celui qui se cache derrière Magical Tux. Dans la vie réelle, quand je veux causer avec quelqu'un qui est dans le métro, je suis jamais qu'un inconnu. Alors que si je me ramène sur Internet, je suis Magical Tux. C'est vraiment au moment où il est dans les forums Internet, j'ai observé l'explosion d'utilisation du mot geek pour se revendiquer. Et donc ce documentaire a un peu cristallisé tout ça. Il a créé un mouvement de reconnaissance assez large. Il était évidemment beaucoup piraté, beaucoup téléchargé sur Internet. Il y avait le geek plutôt orienté film d'horreur, il y avait celui plutôt jeu vidéo, et puis il y avait justement Marc Carpeless, qu'on n'appelait pas encore comme ça, qui s'appelait Magical Tux dans le documentaire, qui était orienté comme une caricature vraiment du geek informatique. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble, on est très bien. Après, j'ai passé un certain temps à être coupé complètement du monde. Il dit qu'il n'a pas d'amis à part en JPEG et en AVI, donc ils sont deux formats de fichiers informatiques, que ses loisirs, c'est la physique quantique ou le code, qu'en gros, il n'a rien qui l'intéresse dans la vie à part tout ce qui est lié à l'informatique. Ce personnage-là est clairement un personnage quasiment fictionnel, c'est-à-dire que c'est un personnage qui correspond à tous les traits classiques du geek. Puis en plus, on savait qu'il existait vraiment parce que son pseudo justement était cité dans le documentaire, et quand on le cherchait sur Google, on trouvait des forums auxquels il avait participé sur le logiciel libre, sur l'informatique, sur les mangas. Et donc on pouvait trouver des traces de vraiment sa vraie existence et donc sa crédibilité en tant que geek quelque part. Donc il est à la fois caricatural et à la fois crédible. Et donc ça crée un personnage intéressant. Le documentaire devient culte et Marc Carpeless, une petite légende dans le milieu nerd. Confiant, il se relance à la recherche d'un emploi. De l'autre côté du périphérique parisien, la Défense et ses tours imposantes. Les chefs d'entreprise intimidants. Les costumes cravates pressés. À la fin des années 2000, les entreprises de e-commerce y fleurissent.
Marc pousse timidement la porte de Nexway, une start-up pionnière qui est en train de grossir considérablement. C'est ici qu'il croise la route de Gilles Ridel. Devant lui, le jeune homme de 22 ans ne se démonte pas et demande un salaire mirobolant. Je vais le voir, on se présente, on discute ensemble, et à toutes mes questions, ou à toutes mes suggestions, toutes mes interrogations, c'était oui, tout était possible. Je lui dis, tu peux faire ça, oui, tu peux faire ça, c'est possible. Donc ça semblait assez magique, en discutant un petit peu de son parcours, j'ai compris ce pourquoi tout était possible pour lui. En fait, c'était un garçon donc intelligent, c'est un garçon extrêmement donc intelligent. Très rapidement, on a accepté ses conditions. Le patron observe son nouvel employé entre méfiance et admiration. Mais après plusieurs mois, il découvre que Marc aurait parfois abusé de ses talents de hacker. J'ai eu une conversation claire avec lui. J'ai dit, écoute Marc, il y a différents signaux qui convergent comme quoi peut-être tu viendrais d'un monde qui n'est pas le nôtre. Peut-être que tu as donc agi comme un hacker. Donc soit tu garantis que c'est du passé et maintenant tu es clair avec nous et on travaille et je te donne donc ta chance. Soit effectivement tu sors donc immédiatement. Et il s'était engagé à l'époque, non Gilles, j'ai pu faire quelques conneries dans ma jeunesse, mais maintenant c'est clair, maintenant je fais ça, c'est mon travail, j'aime bien ça. Gilles Ridel tente un coup de poker et accepte de lui apprendre à se servir de ses super pouvoirs sans tomber dans le côté obscur d'Internet. Qui dit geek dit qu'il y a une petite partie de autisme, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu enfermé sur soi-même, on est dans son monde. C'est des gamins qui avancent, tant que vous leur tapez pas sur les doigts, ils avancent. Ils n'ont pas de limite, c'est ça Marc, c'est-à-dire que si vous lui dites pas stop, il avance, vous lui dites stop, il comprend. Hein. Je lui dis ça Marc, faut pas faire ça pour telle et telle raison, il comprend parfaitement. Marc ne s'arrête plus de travailler, de jour comme de nuit. Pour la première fois, il semble avoir trouvé un équilibre entouré de gens qui acceptent avec bienveillance ses obsessions presque maladives. Il se lève le matin, il se couche, il a l'air à la main, mais c'est du 24-24. Il travaillait pour Nexway, il travaille dans le métro, il travaille chez lui, il travaille le samedi, il travaille le dimanche. Mais c'est du 24-24, connecté et développant. Quand il s'investit dans quelque chose, il s'investit à 100%. Et donc, ça lui arrivait d'avoir des week-ends où il restait sur place. Quand il y avait des soucis, eh ben, on appelait Marc et il venait tout de suite pour aller dépanner. Il est devenu un petit peu un leader technique, on va dire. Quand il y a des problèmes qui sont donc insolubles, on appelle Marc. Quand il y a un projet qui prend donc un peu de retard, on appelle Marc. Quand voilà, il est devenu un peu l'homme à tout faire. Pendant 2 ans, Marc se plie aux règles. Mais le jeune geek n'a pas oublié son fantasme d'ailleurs, plus délirant que la Défense et ses immeubles gris. Il a seulement 24 ans, mais il se sent prêt à tenter la grande aventure, seul, à 9000 km de chez lui. Le Japon, l'Eldorado du geek, pays de tous les fantasmes de Marc. En 2009, lorsqu'il débarque à Tokyo, il découvre enfin cette ville idéalisée depuis son enfance. Il croise des personnages proches de ses mangas et se perd dans cette ville colorée, lumineuse et effervescente. Ici, la technologie et les gadgets sont omniprésents. Et l'économie est florissante. Dans cette culture, il peut enfin être lui-même. C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant, il avait toujours eu envie d'aller au Japon. C'est la réalisation d'un rêve, c'est enfin cette culture qui l'attire tant depuis tant d'années, qu'il va découvrir et dans laquelle il va vivre. Donc là, on sent qu'il se réalise, en tout cas dans les écrits qu'il en fait sur son blog. Cette idée du Japon est comme volonté de départ aussi, comme l'endroit où tout sera possible pour quelqu'un comme moi, où je serai accepté dans cette culture-là, où justement cette culture otaku, geek, est quelque chose qui est intégré à la société, qui est quelque chose qui fait partie normalement de la société. Son cerveau est en ébullition. Il apprend le japonais en seulement quelques mois, déterminé à devenir un vrai Tokyoïte.
il avait commencé à apprendre le japonais. Donc il savait arriver au Japon, il connaissait ce qu'on appelle le japonais commercial. Marc a la capacité de, quand il voit quelque chose, il va le retenir directement, que ça soit aussi bien en informatique que des langues. Et comme il consommait beaucoup d'animés dans son adolescence, ça a contribué à l'apprentissage du japonais. Et c'est vrai qu'il est arrivé au Japon en parlant, pas couramment, mais en parlant déjà très bien japonais. Julien Laglace, développeur lui aussi, rencontre Marc à ce moment-là. Il se lie d'amitié avec ce jeune homme, indépendant et solitaire, qui a immigré ici pour devenir son propre patron. Le 29 octobre 2009, il le suit quand Marc lance sa société qu'il nomme comme son chat, Tiban. L'idée n'est pas révolutionnaire, c'est une simple entreprise qui développe des sites internet. Mais Julien Laglace a confiance en ce surdoué bourré d'audace. À Tokyo, pour pouvoir travailler ici, il faut quand même des bonnes notions de japonais, généralement. Donc se faire une place par rapport à ça, c'était pas forcément simple déjà à la fin des années 2000. Créer son entreprise en plus, là c'est quand même un level au-dessus. Ouais. Donc c'était quelque chose qui n'était pas simple à mettre en œuvre. Il a envie d'entreprendre en tout cas, il a envie de découvrir de nouvelles choses, il a envie de faire découvrir, il a envie d'aller sur des nouveaux terrains qu'il ne connaît pas forcément. Donc oui, je pense qu'il a quand même l'âme d'un entrepreneur. Très audacieux, Marc est pourtant rattrapé par ses erreurs de jeunesse. À Paris en 2010, s'ouvre le procès initié par son premier employeur. Malgré les accusations sévères de piratage, Marc Carpelès reste à nouveau incapable de faire face au monde réel et à ses complexités. Quand il y a eu le procès, mon fils il a dit non, moi je suis innocent, c'est pas la peine que j'aille au procès. Il a pas pensé à demander à sa mère. La loi française est comme ça, si la personne accusée ne vient pas se présenter, elle est forcément coupable. La condamnation est très sévère. 1 an de prison avec sursis et 45 000 euros de dommages et intérêts pour piratage et vol de données. Réfugié à Tokyo, Marc Carpelès fait l'autruche et préfère vivre à fond son rêve nippon qui a pris un tournant inattendu. À 25 ans, Marc a rencontré une japonaise, s'est marié et est même devenu papa. Toujours aussi doué pour communiquer avec ses semblables, il n'a évidemment pas pensé à prévenir son entourage. Mon fils a totalement omis de me signaler qu'il s'était marié. Oui, il m'a annoncé que j'étais grand-mère quand même. Mais je lui ai dit, c'est très bien mon fils, avec qui? Ah oh, mince. Vite, je crois que t'as oublié de prévenir quelqu'un de ton mariage. Une famille, une entreprise. Si ce n'est sa condamnation à Paris, tout semble parfait. Mais c'est un banal échange avec un client qui va réellement faire basculer sa vie. Un de ses clients, justement de la société Tiban, où il gérait des hébergements, et un de ses clients lui avait proposé d'être payé en Bitcoin. Et donc je crois que c'est cette personne-là qui a fait découvrir à Marc l'existence du Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle créée il y a seulement 1 an. Le Bitcoin, c'est une monnaie cryptographique. C'est une monnaie qui existe sur Internet et qui permet à tout un chacun, de manière extrêmement simple et libre, de pouvoir échanger des valeurs qu'on appelle des bitcoins, qu'on peut ensuite échanger contre des euros ou des dollars, en utilisant le réseau Internet et le tout de manière très sécurisée. Bitcoin. Les bitcoins sont distribués et uniquement délivrés dans un circuit fermé pour accentuer la sécurité. C'est une monnaie en dehors du système bancaire. Marc est immédiatement intrigué. Il est hypnotisé par la technologie elle-même et veut tout comprendre du système. Il se plonge dans les écrits informatiques, scientifiques, technologiques. De cette crypto-monnaie, il veut tout maîtriser. Avant même d'y voir un moyen de s'enrichir, il veut avant tout faire partie de l'aventure Bitcoin. Il veut tester la technologie. Et c'est un bon moyen de tester la technologie. Il veut voir comment le Bitcoin évolue, il veut voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Et sans parler du côté financier qui ne devait pas l'intéresser vraiment au début, vu qu'à l'époque où il rachète le Bitcoin, un Bitcoin ne vaut quasiment rien. C'était vraiment tester la nouvelle technologie et voir comment une nouvelle technologie pouvait peut-être potentiellement rivaliser avec des monnaies actuellement existantes. Comment cette monnaie peut-elle faire concurrence aux autres monnaies? Et quelles sont les entreprises qui l'utilisent déjà? Direction Shinjuku, dans le quartier des affaires de Tokyo. Au milieu des tours, il trouve cette société.
Mt. Gox, une des rares plateformes qui utilise la crypto-monnaie. À cette époque, l'entreprise est spécialisée dans l'échange de cartes Magic. Un jeu qui navigue dans l'univers de l'heroic fantasy, où s'affrontent à coups de sort, trolls à deux têtes et enchanteurs. T'as peut-être touché justement au côté geek de Marc par rapport aux cartes Magic, qui est un jeu de cartes très prisé justement dans l'univers geek. Donc ces cartes ont diverses propriétés et un jeu de rôle, c'est un combat entre plusieurs joueurs. En mars 2011, Marc rachète Mt. Gox pour presque rien. Son idée, utiliser la plateforme existante et remplacer les cartes Magic par des bitcoins. Kim Nilsson est suédois. Aujourd'hui, il enquête sur le cas Mt. Gox indépendamment des enquêteurs japonais. Mais en 2011, il ne se doute de rien et fait partie des premiers clients de la plateforme. C'est une plateforme d'échange. Si tu veux acheter des bitcoins, tu dois envoyer à Mt. Gox de l'argent en utilisant un transfert normal. Et Mt. Gox te transforme cet argent en bitcoin grâce à cette plateforme d'échange. Mt. Gox est une des premières plateformes d'échange de Bitcoin. Au même instant, la crypto-monnaie devient de plus en plus médiatisée. Et de nouveaux comptes s'ouvrent tous les jours. De quoi attiser la convoitise des cybercriminels. Certaines personnes voient qu'il y a un potentiel monétaire assez important derrière et ils subissent des attaques informatiques très régulièrement, tous les jours. Donc c'est un peu comme si on savait qu'il y avait une banque avec énormément d'argent au coin de la rue et qu'il y avait des voleurs qui essayaient de passer tous les jours en grappillé. Le 19 juin 2011, trois mois après le lancement de Mt. Gox, Marc Carpelès est victime d'un premier bug. Des hackers ont réussi à s'infiltrer dans son système de sécurité, dérobant ainsi 400 000 bitcoins, soit 9 millions de dollars. Le site ferme brutalement. Et Carpelès disparaît pendant 48 heures. Plus aucune transaction possible, plus de dépôt ou de retrait possible non plus. Et pendant ces 48 heures, Marc travaille sans relâche. Il ne dort pas et il recode toute l'infrastructure afin de pallier les bugs et de pouvoir rouvrir Gox plus rapidement possible. Comme n'importe quel service qui s'arrêterait pendant 48 heures, il y a des plaintes et les gens se demandent ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'il réagit presque avec fébrilité. Qui communique très mal. Ce qu'on sent, c'est que il découvre pour la première fois, je pense, l'ampleur du business dans lequel il est maintenant. Marc est un très mauvais communicant, mais un redoutable développeur. Comme dans une partie de cartes Magic, il va mener bataille après bataille pour fidéliser ses clients frileux. Quelques jours après le bug sur un forum online, il les rassure en transférant en direct 424 242 bitcoins, soit 170 millions de dollars en bitcoin. Marc fait ce transfert après la réouverture de Gox, donc après ces 48 heures, pour prouver que Gox est toujours solvable et que l'entreprise a toujours de l'argent. Mais Marc veut s'adresser spécifiquement aux geeks, son cœur de cible. Alors sur le forum, il glisse des références directes à une bible de la geek culture, la somme étrange de 424 242 bitcoins et le message qui l'accompagne, 42 est la réponse. Ça vient d'un livre de science-fiction qui s'appelle H2G2, le guide du voyageur galactique, qui est sorti à date au cinéma aussi. Les geeks adorent jouer avec les références, justement ça montre l'expertise et l'érudition qu'ils cultivent, et ça donne un côté social, c'est-à-dire, t'as compris la référence, moi aussi j'ai compris la référence, on en est tous les deux. Donc j'ai interviewé des tas de geeks qui avaient le t-shirt 42, ou d'autres références pointues du même type, mais celle-là elle est assez représentative de cette idée-là. Et sa stratégie fonctionne. Petit à petit, les clients reviennent. En quelques mois, Mt. Gox double sa base client. Ken Shishido, comme beaucoup d'autres à l'époque, fait partie de cette vague de nouveaux utilisateurs qui se sont laissés séduire par Mt. Gox pour utiliser cette monnaie virtuelle. Quand le Bitcoin a commencé à prendre de la valeur de 10 à 250 dollars, ça a pris 25% de sa valeur en un ou deux mois. Ça a attiré beaucoup de personnes. Les gens étaient excités et il s'est formé une longue queue pour ouvrir un compte à Mt. Gox. Ce qui est très important pour une place de marché, c'est la liquidité.
Plus il y a de volume d'échange, plus il y a des gens qui sont dessus, cela crée un effet de réseau. Et ça a été un effet d'emballement qui a fait que Mt. Gox est assez rapidement devenu la référence sur laquelle on peut échanger des bitcoins. C'est à cette époque que Thomas Glucksmann, spécialisé dans le marketing, postule à Mt. Gox. Il se présente dans les bureaux pour rencontrer ce jeune Français dont tout le monde parle. La première fois que j'ai rencontré Mark, je ne savais pas que c'était lui le patron. Je pensais que c'était le réparateur des portes automatiques. Il portait un t-shirt avec un slogan geek et un jean. Je pensais qu'il était peut-être le chef technicien qui essayait de réparer les portes. Il est embauché et assiste à l'ascension vertigineuse de l'entreprise. Les gens venaient nous voir parce que Mt. Gox était une référence. Les personnes prenaient la valeur du Bitcoin sur notre site. Les médias parlaient de nous. On était la plateforme dont on parlait le plus. Les gens venaient vers nous. À ce moment-là, on réalisait entre 70 et 80% des échanges mondiaux. 2 ans plus tard, en juin 2013, un bitcoin vaut 1000 dollars et Mt. Gox brasse entre 5 et 8 millions de dollars par jour. Plus le bitcoin prend de la valeur, plus les clients sont nombreux, plus la plateforme grossit. Mark Karpeles gère les comptes de 127 000 utilisateurs et emploie une soixantaine de personnes. Il triple ses effectifs en seulement un an. On a grandi si vite. On dominait le monde du Bitcoin. L'attention était centrée sur nous. Tout le monde voulait ouvrir un compte ou investir. C'était excitant. On se disait qu'on allait devenir le Google du Bitcoin. Mt. Gox est comparé à Google. Karpeles à Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Le jeune surdoué tient là sa revanche. À ce moment-là, la presse mondiale ne parle que du petit geek de Dijon devenu le baron du Bitcoin. Il avait quelques surnoms comme le baron du Bitcoin ou le parrain du Bitcoin. C'était juste un programmateur. Et il était devenu un patron multimillionnaire. Star d'Internet. Est connu dans les médias. C'est la trajectoire ultime du geek de certains geeks qui se réalisent dans l'économie numérique. Les bureaux de Mt. Gox s'agrandissent, mais l'ambiance reste à son image. Geek et connecté. Sur les réseaux sociaux, Karpeles poste ses photos de vieux ordinateurs de collection ou bien ses magnifiques pizza burgers. Il y avait des ordinateurs partout. Il y avait de nouveaux gadgets technologiques qui délimitaient son bureau avec lesquels il jouait. Son bureau ressemblait plus à celui d'un hacker. Mark vit désormais son rêve d'enfant. Il emménage à Meguro, au sud de Shibuya, le quartier le plus chic de Tokyo, en haut de ses tours qui surplombent la ville, dans un appartement à 10 000 dollars par mois. Et se paye même quelques extravagances, comme un lit à plus de 40 000 dollars. Dans les médias, il y a un objet qui résumera la vie qu'il vit au Japon. C'est un lit king size qu'il a acheté et dont toute la presse parlera parce que ça devient l'emblème de sa mégalomanie. Le type, toujours pareil, venu de Dijon, geek, qui investit, qui réussit un peu, et voilà, qui se prend pour le roi du monde à la fin. Ça, c'est son époque baron du Bitcoin. Il avait un très grand appartement pour Tokyo. Même pour les Européens, ça faisait grand. Je ne me souviens plus à quel étage c'était, mais c'était très haut et la vue était magnifique. Il avait une énorme télévision. Et je me souviens qu'il avait une pièce dédiée à ses chats. C'était le genre d'appartement que tu as quand tu es patron d'une entreprise à 500 millions.
Le baron du Bitcoin semble mener la belle vie. Sauf qu'en réalité, son quotidien n'est pas si reluisant. Du haut de sa tour, où il règne sur le royaume du Bitcoin, le roi est seul. Sa femme et son fils ont emménagé à la périphérie de la ville. 2 ans après leur mariage, le couple bat de l'aile. J'ai été voir mon petit-fils, voir mon fils, voir ma bru. Et en fait, il m'avait appelé de toute urgence parce que son épouse voulait divorcer. Il n'a pas dit, mais voilà. Il avait une villa dans la banlieue de Tokyo, une jolie petite villa, où sa femme et son fils vivaient. Mais lui passait la semaine et même le week-end dans son appartement de Tokyo. Alors Marc passe de plus en plus de temps au bureau. Mais ici aussi, les problèmes surviennent. Le chef d'entreprise a beau gérer une 60aine d'employés, il a du mal à déléguer. Son problème de communication et ses difficultés à établir des relations sociales commencent à devenir un problème au sein de Mt. Gox. Marc est plutôt du genre à gérer et à centraliser le décisionnel pour lui. En tant que patron, il avait les responsabilités de signer tout. La comptabilité, le marketing, les contrats, tout ce qui concernait les affaires. Beaucoup trop dans son monde, Marc n'a à l'évidence pas la stature pour gérer une entreprise comme Mt. Gox. À force de vouloir tout contrôler, il va faire une grave erreur. Au milieu de l'année 2013, Mt. Gox ouvre des comptes aux États-Unis, mais Marc Harpeless oublie de déclarer la plateforme comme fonds d'investissement. Le gouvernement américain lui réclame alors 5 millions de dollars. Mt. Gox a utilisé aussi visiblement des banques américaines pour garder des valeurs en dollars. Et le gouvernement qui faisait un petit peu la chasse au Bitcoin à cette époque-là, parce qu'ils avaient compris qu'il se passait pas mal de choses avec cette monnaie, a tout simplement saisi les fonds liés à Mt. Gox, puisqu'il opérait sur le territoire américain sans licence. Il n'y a aucun doute sur le fait que Marc a été dépassé à tous les niveaux. L'empire vacille, mais ne s'effondre pas. Pas tout de suite, en tout cas. 6 mois plus tard, le 7 février 2014, la plateforme ferme brutalement. Ce jour-là, impossible d'y accéder. Les clients sont bloqués. Ils ne peuvent ni revendre, ni retirer leur Bitcoin. Ils ont suspendu les échanges, ils ont suspendu les retraits et tous les dépôts. Mt. Gox ne communiquait aucune information. Et personne ne savait ce qu'il se passait. On imaginait le pire. Peut-être que tout l'argent avait disparu, et ce fut le cas. Silence radio. Mt. Gox ne publie aucune information officielle. Le site internet reste inaccessible, et Marc Harpeless semble avoir disparu. Il disparaît, il est submergé par, je pense, l'ampleur de l'événement, puisqu'il est à la tête de tout ce qui est devenu une grosse entreprise. Et il n'est peut-être pas armé pour faire face à une situation de crise. Après une semaine sans réponse, les clients paniquent. Le 14 février, cette vidéo fait le tour d'Internet. Ce client a plus de 300 bitcoins coincés chez Mt. Gox, soit environ 300 000 dollars. Il vient de Londres pour confronter le baron du bitcoin. Où sont mes bitcoins? Vous les avez encore? Sourire en coin, Marc semble en dehors de toute réalité. Paradoxalement, il est étrangement calme. Dans cette situation de crise, Marc s'est renfermé dans son monde. Il n'acceptait pas la gravité de certaines situations. Et le fait qu'il n'acceptait pas cette gravité me pousse à penser qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait, qu'il était dans un autre monde. Dans son monde. Le 28 février 2014, 21 jours après la fermeture du site, Harpeless réapparaît enfin, entouré d'une armée de conseillers. Il a troqué son t-shirt geek pour un costume cravate et s'apprête à faire des excuses publiques. Dans un cérémonial tout en repentance à la japonaise, devant les médias du monde entier,
Mark sort enfin du silence. Je suis absolument désolé de causer tant d'ennuis à toutes les personnes concernées. Les 750 000 bitcoins que nos utilisateurs nous avaient confiés ont presque tous disparu. Il annonce officiellement la disparition de 850 000 bitcoins, soit 500 millions de dollars à l'époque. Les fichiers cryptés ont disparu des serveurs de Mt. Gox et sont introuvables. Selon lui, il aurait été piraté par des cybercriminels. Il a ce sentiment d'avoir perdu. Tu vois, ouais, c'est peut-être un combat face aux hackers. Un combat qu'il avait déjà depuis plusieurs années, vu qu'il subissait des attaques depuis le début de Gox. Mais oui, là, peut-être qu'ils ont peut-être été trop forts à ce moment-là. Il y a un peu un sentiment de viol. De vol et de viol. Oui, c'est son système qui a été pénétré et qui a été détruit. À partir de cette annonce, Mt. Gox est mis en faillite. Commencent alors de longs mois d'enquête judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé. Est-il vraiment victime d'un hacking? Très vite, les premiers doutes s'installent. Certains spécialistes, comme Kim Nielsen, soupçonnent Karpeles d'avoir détourné ses bitcoins. Ce qui est reproché à Mark Karpeles, c'est qu'il a manipulé les chiffres des échanges. Par exemple, il aurait pu changer des chiffres sur les comptes, vous voyez. Les autres charges contre lui, c'est qu'il aurait pu tout simplement voler cet argent et l'utiliser pour autre chose que sa société. D'autres pensent qu'il a tout simplement menti sur les liquidités de Mt. Gox. Les 850 000 bitcoins disparus n'auraient en réalité jamais existé. On est là face à ce qu'on appelle un Ponzi, un système de Ponzi où on va payer les retraits avec le dépôt des derniers arrivants. Dès que quelqu'un voulait faire un retrait, eh bien probablement Mark attendait que quelqu'un fasse un dépôt, hop, et payait la personne qui faisait le retrait avec. Et tant que le Bitcoin continuait de monter, tant que les gens continuaient d'arriver, ça fonctionnait. Pour ses proches, le jeune homme est incapable d'une telle escroquerie. Même après la fermeture de Gox, il travaille toujours pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent sur du long terme que 500 millions de dollars en une fois. Il aurait pu rester jusqu'à la fin de sa vie à gérer Mt. Gox pendant des années et des années, et quitte à le revendre avec une plus-value extraordinaire au bout de 10 ans. Si vous aviez 400 millions de dollars dans votre poche, est-ce que vous resteriez sur place? Est-ce que vous n'allez pas plutôt vous foutre dans un paradis fiscal ou un endroit qui soit exempt d'extradition? Moi, je pense, hein. Vous ne resteriez pas sur place à quémander du travail? Pendant un an, Mark est laissé en liberté. Il coopère même avec la police japonaise. Mais au milieu de l'été 2015, l'ancien patron sent le vent tourner. Il travaille normalement le vendredi. Il y avait énormément de journalistes dehors, plus que d'habitude. Il y avait une rumeur comme quoi il pouvait se faire arrêter, mais cette rumeur, on l'avait déjà entendue à peu près 3 semaines auparavant. Il y avait aussi beaucoup de journalistes qui traînaient et il ne s'était rien passé. Le 1er août 2015, Karpeles est arrêté. Casquette vissée sur la tête, un t-shirt trop serré enfilé à la hâte, le jeune homme n'a plus rien d'un baron. L'image fait le tour du monde. À 9000 km de là, Anne Karpeles apprend très vite l'arrestation de son fils. C'est une amie qui m'a téléphoné le soir même, puis qui m'a dit t'es au courant pour Robert, pour Robert, parce qu'on l'appelle Robert ici en France. Et je lui dis de quoi? Il vient d'être arrêté. Quoi? Mark est accusé par la justice japonaise d'avoir détourné 1 million de dollars. Il reste en garde à vue prolongée pendant 6 semaines avant d'être placé dans cette prison sous haute surveillance. C'est une petite cellule avec un lit, une table, une chaise, filmée 24 heures sur 24. La lumière n'est jamais éteinte. Il a le droit de sortir 1 heure par jour encadré par 5 gardiens. On l'a mis à l'isolement total. C'est-à-dire que je trouve que voilà, ça paraît vraiment incroyable
on dirait qu'il représente un danger pour la société, pour le monde, le monde entier. Je pense que c'est plus important pour lui d'être privé de connexion que de priver donc des libertés. C'est-à-dire qu'il a une double peine. On l'a mis en prison et on l'a donc déconnecté. Pour lui, c'est insupportable. Un an plus tard, il est toujours détenu dans ces conditions extrêmes, en attendant que l'enquête de la police soit terminée. Depuis quelques mois, Anne Carpelès peut enfin avoir des nouvelles de lui. Mon fils maintenant peut m'écrire, oui. La première lettre que vous avez reçue, qu'est-ce que... M'a fait plaisir. Puis il m'a fallu 3 semaines pour répondre parce que j'avais tellement de choses à lui dire que je savais plus par quoi commencer. De sa cellule, coupée du monde et de son ordinateur, il se réfugie dans ses souvenirs. Ces derniers temps, faute d'avoir mieux à faire, je tente de m'y retrouver dans mes souvenirs, bons ou mauvais. A priori, j'ai une mémoire basée sur l'espace et les emplacements, et cela m'aiderait beaucoup dans cette quête de savoir où j'ai passé ma vie de 0 à 10 ans. Peut-être qu'avec le nom des endroits et les dates, il serait possible de remettre de l'ordre là-dedans. Les souvenirs sont limités, mais divers, ce qui me laisse penser que j'ai dû participer à pas mal de choses. Pour se protéger, Marc fait ce qu'il sait faire de mieux, plonger dans une autre réalité. À force d'être emprisonné et d'être dans une situation intolérable, il accepte la situation intolérable pour qu'elle devienne tolérable. Ça me donne envie de tout casser, mais c'est pas une solution. Voilà. Le petit geek de Dijon est bien loin de ses rêves d'enfant et de ses fantasmes japonais. La police enquête encore sur l'affaire Mangox et aucune date de procès n'a été annoncée. Marc Carpelès encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.